Voici donc, pour vous, monsieur, la scène qui s'intitule « La promesse faite à la mourante ». Musique ! Balle ! Passe-moi le saut. Attends, toi, tu joues pas Thénardier, toi. Eh bien sûr que si, je joue les deux rôles. Tu l'as annoncé à mon public, je joue les deux rôles. Alors, Roger, il y a ce que je raconte aux spectateurs et ce qu'on fait en vérité. J'aimerais que tu fasses Jean Valjean seulement. Mais alors, qui va faire Thénardier ? Non, non, toi, tu fais cause, toi, tu sais pas parler. Mais toi, t'es gâté. Tu sais pas faire la barre, c'est pour Jean-Pierre. Tu sais pas faire la barre, pas lui. Non, pas lui, dégage, tu fais cause. Toi, tu parles pas à Roger comme ça. Après, on verra si je peux faire la barre. Jouer les misérables, d'après Victor Hugo, et à force de jouer les misérables, on en est plus que misérables nous-mêmes, voilà. Parce que c'est pas une œuvre très contemporaine, donc eh ben, on se débat dans le contexte social, économique, pour faire entendre la portée sociale et lyrique de cette œuvre qui est plus que jamais actuelle. Car Roger va l'interpréter à sa manière. À tout jamais! Après tout, ce ne sont pas mes affaires. Non, je dois m'en occuper. Méfions-nous de cette régression, quoi. Et des arts de la rue, ça touche que 34% des gens. Le théâtre, 14%. Par exemple, je parle de la France, je ne connais pas les quotas en Suisse. Et donc, cette culture, elle a tendance un peu à agresser. Donc, c'est un peu le message de notre pièce sur le rapport à la culture, qui est aussi, aussi indispensable que l'éducation, et d'être vigilant et de savoir aider les artistes. On les aime souvent et on ne les aide pas, peut-être pas suffisamment. Mais avant tout, je joue pour qui ? Pour toi, mon public, l'amour. Merci. Et les applaudis d'habitude. En fait, nous, on incarne nous-mêmes les personnages qu'on est censé jouer. C'est-à-dire que cette famille de théâtre, pour s'en sortir financièrement dans ce contexte économique et social qu'on connaît, est tour à tour Javert, Thénardier, Gavroche, Cosette, etc. Et on se rend compte que tous les personnages qu'a écrit Victor Hugo sont aussi des personnages contemporains qu'on peut retrouver dans une famille de théâtre, par exemple. Voilà. Faites entrer l'accusé. Non ? Prénom ? Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle pas. C'est les Zaou qui m'appellent. Quand j'étais au petit, on m'appelait le petit. Maintenant, on m'appelle le vieux. Voilà la vérité vraie. Je suis un peu Victor Hugo, en fait, voilà. Parce que moi, j'essaye de faire avancer l'histoire, malgré tous les soucis que la famille peut avoir. Comme Victor Hugo a eu plein de soucis, lui aussi, qu'ils soient d'ordre politique, social, religieux, artistique, voilà. Donc moi, j'essaye de tenir la baraque, que la baraque avance, que le spectacle avance. Mais mes comédiens, eux, il faut bien qu'ils bouffent. Donc je me retrouve avec un réel problème à les faire vivre. Qu'on peut voir en toute liberté, en toute égalité et en toute fraternité. Les arts de la rue ont la même devise que la République française. Aussi, je crierai, pour finir, vive la Suisse, vive la France, vive la République. Oh, il est en forme, oh, il est en forme. Et surtout, vive la plage des Six Pompes. Merci à vous, bon festival.